bien nous allons débuter la réunion. Et y a tout le monde est là? Ah bah je ne sais pas, mais il est là. Non, la caravane n'est pas bah, là. Bah celui qui répond pas, c'est qu'il est pas là. Hein. Ah, peut-être le retardataire. Moi je suis là. Je vous ai dit, le tirer un flare gun feu d'artifice là, ça fait venir les gens les feux d'artifice. Bonjour, oh, c'est pas bête, c'est une bonne idée ça. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Vous voulez que je m'en occupe? Allez-y. Oui, mais avec le feu d'artifice. Eh bon, devant, monsieur. On a un balcon, non? On a un balcon. Non, ça m'énerve. Non, m'énerve. Monsieur avec les petites cornes. Bonjour. Oh, ça éclaire bien. Oh, dis donc. Ah, mes yeux, ça pique. Oh, il y a. Ça pique, ça brûle. C'est lumineux d'un coup. T'avais pris en compte le fait que Ego est photosensible. Mais pourtant, il y a des. Ah, dis donc. Ça, je m'y attendais pas. C'est vrai que c'est pas pour les épileptiques là. On s'est nommé des lunettes de soleil. Voilà, toujours. Je m'attendais pas à ce que ça fasse. Pas les feux d'artifice. Là-dedans, ok. Ah, il faut savoir quand même que le flare gun hein, est interdit à usage d'amusement. Bonjour. Il est utilisé seulement si vous avez besoin d'appeler la police. Bonjour. D'accord. Bonjour. Ok. Ah, bon, monsieur Katsumoto. Oui, oui. Il y a le panneau devant le commissariat qui prévoit de ça. Donc là, c'était la demande du roi, mais sinon, vous le savez, ne pas tirer de flare gun à des fins d'amusement. Pas de soucis. Bien entendu. Très bien. Merci. Allez-y, bon. Nous allons commencer. Dans un premier temps, bienvenue à vous pour cette nouvelle réunion. Et nous accueillons juste à ma droite, si vous n'avez pas reconnu, monsieur le Don Corleone. Bienvenue, Don. Bienvenue à vous. Bonjour, on a pas plaisir. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors. Vous, on commence par vous, monsieur Eldon. Je laisse soin à sa majesté de leur annoncer la bonne nouvelle. Très bien, je vous laisserai les détails. Vous êtes pas sans savoir que le sud, dernièrement, nous a un petit peu... pas à leur botte, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas vraiment le sud proprement parlé, puisqu'il s'agit principalement pour l'instant et pour le moment, tant que ça ne s'ébruite pas, après pour l'instant on n'en sait rien, de Yogi, Dr Shen et leur garde du corps. Donc la justice du sud. Suite tout à fait. Ah d'accord. Suite à hier. À cela, on a eu plusieurs mots d'échanger. Allez-y, allez-y. Le sénateur Ralton, qui à l'heure où je vous parle n'est plus sénateur, est au courant aussi. Bon, donc nous pouvons penser que la pire des espèces est au courant. Youpi. Très bien. Et donc, par rapport à ça, on a eu plusieurs mots d'échanger et le mot guerre est revenu plusieurs fois. Donc, nous allons nous y préparer. Pas forcément pour l'affaire, mais pour la prévention. Au cas où, si on ne sait jamais, les trois nouveaux dirigeants mettraient un boulon, décideraient d'envahir le Nord. Bon courage à eux. En tout cas, nous allons essayer de parlementer avec eux, de voir un petit peu ce qui se passe, de voir qui sont les nouveaux dirigeants, de savoir leurs intentions. Et peut-être que nous arriverons à calmer les choses, et peut-être que on pourra éviter une quelconque guerre pour le moment. Qui sont les nouveaux sénateurs ? Eh bien, moi, je ne le sais pas. Monsieur Eldon, étiez-vous là lors de l'élection? Je suis parti avant les élections, je ne voulais pas voter. Bon. Qui c'est qui s'est nous présenté? Nous le serons bientôt. Alors, les candidats sont Monsieur Quick, Monsieur Kiba, Monsieur Marcus, celui qui faisait partie de la bande de Henry, et l'ancien shérif, l'espèce d'ivrogne. Il tient même pas l'alcool, ce petit. Bah, ça va faire de beaux sénateurs. Ah oui, ça va être chouette. Bon, on va peut-être pas demander la guerre dans ce cas, ça, c'est d'une bonne nouvelle. Oui, si on j'ai peut une question, la guerre, en tout cas, ça promet la politique chez eux. Faudrait déjà marcher quand même. Oui, on en a gros. Une question. D'après mes souvenirs, on a vacté de pas exécuter à personne. Pourquoi ils sont énervés?
Ils se sont énervés parce que... Comment vous dire? Parce qu'il y a eu un malentendu de pas exécuter, entre... Hein. C'est-à-dire que... En fait, ils sont venus hier, ils ont été mal reçus par le commandant, ils ont eu des mots oui, qui... pas tout à fait ça, ils mais... Ils se sont pas compris. Ah nous, c'est ce qu'ils nous ont dit en partant. Ah oui, mais bon... Comment vous dire le sud est armé de T-Rex à l'heure où je vous parle, et la police est surarmée. Comment vous dire? Ce n'est plus une police, c'est une armée pour une démocratie. Eh bien, c'est particulier. Nous avons fait en sorte d'avoir un armement... pas trop important pour simplement protéger la population, mais le surarmement ne sert à rien. Et nous leur avons fait remarquer, ils ont défendu leurs propos, c'est parti un petit peu dans les hotons, et du coup, voilà. Ils en ont conclu qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans le Nord. Ah d'accord. S'ils ont râlé, c'est qu'ils ont... Ils exagèrent un peu quand même. Hein. En tout cas, ils ont des Rex, ils ont des armements lourds, ils ont tout ça, donc nous allons faire de même. Donc on a le droit nous aurons des Rex aussi. Rex. Pour le royaume, simplement. Et les villages aux alentours? Les villages, pour l'instant, ne sont pas autorisés à avoir des Rex. Nous verrons cela plus tard et nous ferons peut-être un conseil avec certaines personnes. Vous avez des chefs de village. Peut-être que nous ferons un petit conseil de temps en temps. D'accord. Si vous avez des questions, peut-être une fois par semaine ou quoi. Nous verrons cela. D'ailleurs, mon roi, par rapport à tout ça, j'aurais quelque chose à demander au village. Oui, allez-y. Ce serait pour demander de l'aide pour m'aider à construire le mur extérieur en pierre. Ah oui, mais vous n'avez pas assez de ressources? Si, j'ai assez de ressources, mais c'est pour aller beaucoup plus vite au cas où est-ce que les choses vont trop vite. C'est ton boulot. Oh, je pense que vous avez le temps, mais... Entre architectes. C'est drôle. Justement, si vous n'avez pas le temps... Électricien. Oh là là. Tiens, on va passer à... Y a-t-il un électricien à cette table? Il y a monsieur Gorator aussi. Ah, vous êtes là, monsieur le forgeron. Oui, je suis là. Et il y a monsieur Gorator aussi en tant qu'électricien, tout à fait. Il nous a fait une installation magnifique en tout cas en passant chez nous. À sonnette et tout, impeccable, hein, vraiment nickel. Rapide et efficace. Ah, génial, il n'y a rien à dire. Chaque fois, on a galopé. La sonnette était interdite, moi. Parlant de ça, Hiroto, j'attends toujours mon frigo. Ah, nous la commande est en fait dans la soirée. Il a enlevé sa licence d'électricien, il me semble. Ah, c'est beau. C'est bien, il prévient ses clients. S'il vous plaît, messieurs. Vous réglerez ça dehors avec une bonne bagarre si vous voulez, mais. Mais pas de troubles sur l'ordre public ou sinon on sanctionne. Oui, tout à fait. Donc. Par rapport à la construction, est-ce que vous avez le temps, monsieur l'architecte, monsieur... Attendez... Monsieur de Firenze. Io. Io, voilà. Est-ce que vous avez le temps? Il me faudrait à peu près 2-3 jours. Est-ce que vous avez ces 2-3 jours en votre temps, en votre possession? Pour le moment, pas vraiment, parce qu'il me faut un électricien pour aller le plus vite possible. Pourquoi un électricien pour faire des murs en pierre? Parce que j'ai besoin de relier ma table de crafting pour faire la porte behemoth. Bah, tu prends ta table, tu le mets devant la porte behemoth et tu fais tes murs. Oui, je ne vois pas trop le problème de l'électricité. Ah, moi non plus. Parce qu'il me demande de faire de l'électricité pour pouvoir la faire. Ce que je ne comprends pas. C'est pas logique. Non, est-ce que tu veux installer une porte particulière ou une porte comme on peut avoir? C'est la S+. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. La S+, ça fait normalement dans le... la table ronde, il n'y a pas besoin d'électricité pour ça. Bah non. Moi, pourtant, j'ai les ressources et ça me dit qu'il me faut de l'électricité. Je viendrai jeter un coup d'œil et qui t'inquiète. Y a pas de soucis, le don. Très bien. Si vous n'avez pas le temps, venez me prévenir et je recommanderai peut-être un autre architecte sur l'avancement de la construction. Y a-t-il un autre architecte d'ailleurs à cette table à part l'homme riche à ma gauche et Yo? Il n'y avait pas trois en tout? Je ne sais pas, mais il n'est peut-être pas là. Très bien. Non, il y a Izanami, mais elle n'est pas là. D'accord. Jacob,
Jacob, je l'ai pas vu depuis longtemps, je crois. Enfin, avez-vous des questions, des doléances, des on en a gros, à part ce que vous avez dit tout à l'heure, ou des suggestions? Bah non, j'en ai pas d'autres. Personne? Très bien. Oui. Sachant que nous, les Amazones, nous sommes en très bon terme avec le Sud et que ce soir il y a les élections, je propose que nous, donc mon village et moi, allons, comme par hasard, nous promener par là-bas pour essayer de prendre la température pour voir où on en est par rapport à la guerre, tout ça, tout ça. Vous êtes en bon terme avec la population du Sud? Ouais, ah bah, et oui, nous avons même gagné un laissez-passer pour parcourir leur terre librement. Ouais, c'est du moment où j'étais sénateur, je voulais donner moi-même. Ouais, oui. Très bien ça. Nous leur avions dit que nous étions neutres et que, a priori, les affaires entre le Nord et le Sud ne nous intéressaient pas plus que ça, tout ça, tout ça, quoi. Monsieur Ralton était au courant également. Oui. D'accord. Eh bien, vous pouvez, oui. Vous pouvez. J'ai d'autres choses à dire en fait, finalement. Nous allons instaurer des taxes d'habitation. Vous savez très bien que dans le Sud ils le font depuis déjà des lustres. Que le Royaume du Nord ne vous demande pas tant que ça de taxes. Il vous a demandé une fois un permis. Ah. Si vous n'avez pas encore payé, vous pouvez le payer. Il serait temps. Mais nous allons demander une taxe d'habitation. Alors, restez assis sur vos chaises. On demandera environ 10 000 pièces d'or par maison. Normalement, vous avez une maison chacun, ça devrait aller. Et on demandera 40 000 pièces d'or par village. Pardon? Putain, 40 000! Ah bah, ça fait 4 millions, ça fait 10 000 pièces d'or par maison. Mon roi, on n'est pas tous siroto, hein. Mais c'est vrai que là. Non, mais évidemment que les taxes ne sont à payer qu'une seule fois, elles ne sont pas à payer régulièrement. Bah oui, très bien. Effectivement, non, vous avez deux. Oui, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas dans le Sud ici. Vous avez 2 semaines pour payer. Oui, c'est pas histoire qu'on ait l'argent ou pas. C'est juste que c'est quand même assez conséquent et qu'on est censé ne pas être comme le Sud et qu'on commence à faire comme eux. C'est un peu inquiétant là. Ah non, ce n'est pas vraiment ça. C'est que j'ai donné beaucoup d'argent à la population dès le début et que j'aimerais qu'elle revienne pour continuer un certain projet. Ah bah dépouillez-le. Vous voulez pas l'accès, ce sont des revenus de chacun, non? On va tous chez lui. Je vous avais dit que si vous quittiez le royaume et créez un village à part, vous payerez peut-être sûrement plus. Mais au final, ce n'est pas forcément beaucoup plus, puisque les Amazones, je crois que vous êtes 5, et que je ne vous demande que 40 000 pièces d'or, et pas 50 000. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est 10 000, plus 10 000 PO ouais, par personne. Alors. Le problème étant, c'est que Tsia, qui est chez nous, a aussi une maison chez vous. Eh bien. Eh bien, nous verrons cela parce que. En fait, de base, mais bon, je voudrais pas trop vous alarmer. On avait prévu 10 000 par personne, et y compris les personnes à l'extérieur de la ville, plus 40 000 pièces d'or pour être dans un village. Donc. Oula. C'est violent. Oui, bon, 40 000, c'est bien. Hein. On est d'accord? Ouais. Donc non mais nous verrons cela, hein. 40 000 c'est pour le village, mais nous verrons cela. Sachez que simplement nous avons distribué énormément d'argent au tout début et je crois que il est temps de le recevoir puisque vous êtes normalement à peu près tous riches. Et si vous n'êtes pas riche, eh bien à peu près. Débrouillez-vous. Sachez juste que monsieur Hiroto recherche des employés. Il a 50 000 pièces d'or à donner, donc 50 000 pièces d'or c'est potentiellement 5 taxes d'habitation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler? Il travaille pas souvent. Ah, il faut travailler. Normal, je vais pas y aller là-bas tout seul. Hein. Voilà, à l'avant-poste. Je vais demander, j'ai avec toi moi. Bon, ah, ouais, il va nous chercher. Il y a personne. Oui, pour ça, personne l'après-midi. Il moi je veux bien. Moi, tu vois, il aura 50 000. Comment dire? Il a 50 000 pour finaliser la construction donc. Voilà, j'ai pas 50 000 par personne. Je suis pas aussi riche que ça quand même. Ah mince, ouais, c'est dommage. Ah. Oui. Roi. Oui. La petite maison de ma sœur et moi à l'extérieur de la ville, considérée comme un village. Pourquoi vous avez construit une maison à l'extérieur de la ville? Quand on est arrivé, moi et ma sœur, on ne savait pas trop où s'installer. Ah.
Est-ce que ça vous dérangerait de démanteler la maison, de récupérer tous les murs et de la reconstruire à l'intérieur à un endroit plus sécurisé? Non, bien au contraire, ça peut permettre d'éviter de payer 40 000 pièces d'or. Ah oui, ça vous évitera. Oui. Ça fait un bénéfice, hein. Et puis vous serez protégé par les murs aussi en cas de guerre ou autre, comme ça nous pourrait mener, je pense que ce sera à tout bénéf. D'ailleurs. Mais on sent qu'on a deux places qui se libèrent. J'aimerais me proposer en tant que forgeron pour aider à armer notre ville. Ah, monsieur Katsuboto, à combien s'élèvent les permis actuels des forgerons Là, ça a commencé à monter. Mais 35 000 pièces d'or. 30 000. Ah, je suis pas loin. Alors, attendez, parce que. Oui, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup de forgerons en ce moment. Alors, nous allons voir si un permis se libère et peut-être que nous vous le ferons moins cher dans ce cas. C'est-à-dire que là, si le permis est à 30 000, c'est que nous avons déjà 4 ou 5 forgerons dans le village. 4. Alors, peut-être qu'on ne voit pas leur tête, mais... Surtout pour me rendre utile à l'effort de guerre. Ah, mais je comprends bien, je comprends bien. Et je vous remercie. Nous allons voir si quel forgeron est peut-être inactif pour lui retirer son permis, s'il ne l'a pas déjà payé. C'est déjà une idée. Je vous remercie. Vous avez déjà une idée? Tout à fait. Bon bah très bien, bah nous verrons cela. D'ailleurs, monsieur en parlant de permis à retirer, monsieur, il y avait un monsieur qui était constructeur de bateaux. Oui. On avait commandé un bateau, et comment dire, c'était ni fait ni à faire, il y avait des trous dans la coque, il y avait des trous dans le mur, il y avait des murs, on savait pas d'où ils sortaient, hein. Donc, on nous a donné le bateau, hein, monsieur votre cadet nous l'a donné. Et du coup, on ne l'a pas payé. Et évidemment qu'on refuse de payer parce que ce monsieur déjà ne s'est pas présenté depuis plus d'une semaine. Donc si vous entendez parler, voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et que je conseille à personne d'acheter les bateaux de monsieur Thorn. Ah, je pense l'avoir vu, votre bateau. Je sais pas quoi. Oui, bah maintenant si on l'a refait parce que Tsia m'avait aidé pour ramener des animaux et il y avait un bateau rempli de trous. C'était peut-être le vôtre. Oui, ah oui, bon voilà, c'était le nôtre. Vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est vrai. On est la risée de tout le monde. Donc si je peux me permettre, moi je peux m'occuper de ce bateau. Mais ça y est, on l'a refait déjà, on a tout démantelé. Je suis moi-même batelier de père en fils. Bah si on avait des commandes, on pourrait vous les passer et vous viendrez les faire ici peut-être. Et à la limite, il serait bien que monsieur donne fasse un bateau pour Sia. Comme parfois elle doit emprunter un bateau. Comme elle n'a pas besoin d'un bateau souvent. Oui, on verra ça. Bah, vous verrez ça avec je crois que vous devez rencontrer les Amazones tout à l'heure, donc vous pourrez voir ça tout à l'heure. Il me semble. Oui. Très bien. Est-ce que nous n'avons pas encore fait totalement la situation vis-à-vis du Don? Je ne crois pas. Il me semble pas. Non, pas encore. Non, nous n'avons pas fait. Pas encore. Alors, sachez que le Don ici présent est actuellement un allié du Nord. Il n'est plus sénateur du Sud et il vient emménager dans la région. Voilà. Pas entièrement dans détails. La région, mon roi. Bon, dans la région, c'est une façon de parler, en tout cas. D'accord. Il a raison. Voilà. Tout à fait. Et où est-ce qu'il va emménager? Eh bien, je laisse le Don parler de ce qu'il souhaite parler et... Vous pouvez vous lever si vous voulez, monsieur le Don. Oh, ça, je me lève et les torches s'éteignent. C'est ce que j'allais dire, dis donc. Ça, c'est beau, ça. La magie. C'est beau. Oula, oui. voilà, en fait... est-ce que je commençais depuis tout le début, Robjorn? Eh bien... Bah, la limite, oui, comme ça on comprend. Vous voudriez abréger? Oui, au moins qu'il comprenne. Ouais, mais voilà. Je vais essayer de faire, bref. Par contre, il mange comme un cochon, lui, hein, c'est pas possible, j'ai jamais vu quelqu'un manger aussi bruyamment. Hein. Même mon loup mange plus proprement. Hein. Ah, il travaille dur, c'est normal, il reprend des forces. Allez, tournez général, mangez, mangez. Moi, je m'allume mes cigarettes. Hein. C'est le moment. En fait, pour tous ceux qui ont survécu du tremblement de terre, vous savez que notre ancien roi était un homme bon, proche du peuple. Mais il avait un petit côté caché qu'il ne voulait pas vous dire pour pas vous inquiéter.
et ce côté caché, c'est moi-même. Habillé de la façon dont je suis, j'ai toujours été son homme de main. Pour ceux qui se doutent, il y avait très peu d'agressions dans n'importe quelle contrée du royaume. Et le royaume s'étendait du nord au sud. Parce que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui essayait d'empêcher le roi de faire régner la paix sur les contrées, il faisait appel à moi et mes hommes. Lors du tremblement de un peu avant le tremblement de terre, il m'a demandé de continuer à faire en sorte que ça reste ainsi. Et de ce fait, de protéger l'héritier du trône, c'est-à-dire Monsieur Bjorn est ici présent, donc le roi Bjorn. Et quand la sénatrice Padala, la traîtresse, a décidé de scinder le royaume en deux, j'ai décidé de la suivre, pour justement faire en sorte de l'évincer. J'ai réussi à l'évincer, elle est partie. Elle est partie comme un dodo face à un loup, hein, s'échapper avec... Comme un caca dans les toilettes. Ah, comme un caca dans la toilette, hein. Il n'y a plus qu'à tirer la chasse. Oui. J'ai tiré la chasse, c'est bon, elle est partie. Hein. Allez, hop, salut. Hein. Stupide Conchita. On m'a cassé les couilles, celle-là. Enfin, bon, bref. Je me perds. Hein, quoi? Gros? Où ça? Je suis pas gros, hein. Je suis pas gros, hein. Non, mais là, va se calmer, hein. C'est une expression. Garde ton sang-froid, le donne. Ah, d'accord, ok. Et donc ensuite, je me suis amusé à un petit peu affaiblir le sud. Alors attention, pour ceux qui se diraient que je suis une crapule, je ne me suis jamais attaqué aux gens de la ville, au peuple. Parce que je suis un fier défenseur du peuple. Et ça, le roi Bjorn le sait aussi. Tout ce que j'ai fait, c'est affaiblir l'État, les caisses de l'État. Je les ai affaiblis au maximum, justement pour si jamais on devait en arriver à comment on appelle ça, conquérir le sud, et qu'ils puissent très vite déposer les armes et que du sang inutile ne coule pas. Apparemment, le sud, aux dernières nouvelles, ils ont un peu peur d'une guerre et tout ça, il y a des tirés, que c'est tout le bordel. Donc, je pense qu'on va quand même essayer, hein, roi Bjorn, d'éviter de faire couler le sang inutilement, mais il faut quand même, peut-être se préparer. Il faut quand même, voilà, prendre l'éventualité que peut-être il y aura une guerre. Maintenant, je vais quand même essayer de faire jouer mes relations que j'ai encore au sud pour justement éviter ça. Parce que le but, c'est pas que le peuple en souffle. Moi, mon but, c'est de faire exploser le Sénat. C'est tout. Et rendre le pouvoir au peuple. Parce que, comme je le sais, et merci les Amazones de m'avoir éclairci là-dessus, chez vous, au nord, si le roi est là, c'est parce que le peuple le veut. Donc, le pouvoir, entre guillemets, est quand même au peuple, si je ne me trompe pas. Ouais, et on ne casse pas les couilles avec des taxes à la con et des lois et des sénateurs qui sont jamais là et qui savent que faire remplir de la paperasse. Voilà, un roi unique, voilà. Ça suffit pour diriger un pays. Voilà. Vive le roi. Besoin d'une femme. Vive le roi. Vive le roi. Voilà. La femme viendra bien assez tôt. Ah bah il vous en faut une bonne, hein. Vous savez ce qu'on dit, derrière chaque homme se cache une femme. Hein. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord. Il va peut-être falloir une présélection pour, je sais pas, celle qui va être vos prétendantes ou quoi, ça pourrait être sympathique à organiser. Monsieur Lato a proposé un petit défilé Miss du Nord. Non, mais ça c'est pas vrai. Non, ça c'est nul. Je propose quelque chose avec un test de QI, un test de cuisine, un test de combat, quelque chose d'une vraie femme, une reine, pas une espèce de midinette qui va se trimballer les tétés à l'air. Là, ça suffit quand même. On a besoin d'une reine, on n'a pas besoin d'une Miss Nordiste. Déjà qu'il y a ça au sud, pas mal, mais vous savez, vous savez qu'au sud, il y a une loi. Une loi qui fait ça, hein, c'est la loi du samedi où tout le monde se balade à poil. Hein. Ah, quand c'est même classe, hein. Ah oui, non mais je ne parlais pas c'est forcément, vulgaire. Vous savez, Miss Nordiste, ça peut être la plus forte à l'épée, la plus forte au tir, la plus forte à cheval, voilà. Ah oui, voilà. Le problème c'est que ça va être que des Amazones, alors c'est pas drôle pour les autres. Mais non, mais je... Écoute, merci pour moi, exemple, hein. Enfin. Je suis désolé, mais... C'est sympa, hein. Vous ne savez pas si je sais tellement monsieur dame. J'ai réussi à accoucher M. Katsumoto en combat amical, alors si vous voulez, bon, c'est un peu compliqué pour les autres, je pense. J'ai aussi reçu une autre mission. Donc la première, comme vous savez, me vient directement du roi, donc qui m'a demandé de protéger tous les peuples, tous les habitants de ce monde, ainsi que le roi, vu que c'est lui le dirigeant.
et de faire tout ce qu'il fallait pour que le roi puisse réunir tout le monde sous une seule bannière. Or, il y a eu le tremblement de terre. Je sais que beaucoup d'entre nous ont perdu des êtres chers. Moi, j'ai perdu toute ma famille. Je suis le seul survivant. Je suis le dernier Corleone. Et Mama, avant de mourir, m'a demandé de réunifier les coffres, enfin de reformer la famille Corleone. Kiki, lève-toi et viens à côté de moi. Ah oui, il s'appelle aussi Kiki. J'arrive. Il y a beaucoup de Kiki quand même. Kiki, c'était pas le Kiki du roi ? Si, mais il y en a plusieurs. C'est le Kiki du Corleone. C'est le Kiki du Corleone. Ah, tout à fait. Alors je vous présente Kyo da Firenze, mon ami d'enfance, qui rejoint la famille Corleone. Nous sommes au nombre de 5. Il y a Monsieur Capone et encore 2 autres personnes du sud, mais pour le moment, ils doivent rester au sud pour le bon fonctionnement des plans. Ça, c'était la première mission de la Mama. Ensuite, elle m'a demandé de retrouver les vestiges de notre manoir et de reconstruire le manoir. Et c'est ce que nous allons faire. Et il est où, ce manoir ? Je peux leur annoncer, Roburn ? Ah oui ? Les terres du milieu. Là que nous vivions. Ah, ah oui, d'accord. On peut être amené à se croiser, effectivement. Effectivement. On va souvent se croiser. Et de ce fait, je vais bien sûr rendre hommage à Mama. Parce que je me suis arrangé avec le Rabion pour qu'elle me récupère une partie des terres. Et je vais être juste en face des ruines du manoir Corleone. Oh, c'est beau. Et comme vous le savez, le château fort est construit sur les ruines de la Mama. Enfin, les ruines de Corleone. Et donc, par notre présence, nous allons d'office protéger également cet avant-poste. Et je pense que ce sera une caserne, je sais pas trop ce que vous comptez construire là-bas. Ah, ce sera, vous savez, à la toute fin, ce sera peut-être le château royal qui régnera sur le monde entier. Enfin bon, ça c'est mes rêves et mes folies, mais... Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. C'est le futur, mon roi. C'est le futur ? Très bien. C'est juste oublié. Alors essayez de contribuer à ce futur, mesdames et messieurs, faisant cette table. Je compte sur vous. Vive le roi ! Vive le roi ! Alors pour vous dire une chose, messieurs, c'est que je suis quelqu'un de libre. Nous les Corleone, avons toujours été libres. Et monsieur le roi m'a offert cette liberté. Qui veut dire que partout où je me baladerai, c'est-à-dire dans le sud ou dans les terres du milieu, il n'y a qu'une loi qui règne, ce sera celle des Corleone. Par contre, au nord, je me plie à la bonne volonté de vos lois. Kiki, je veux que tu prêtes serment au peuple du nord maintenant, au nom des Corleone. Je prête serment au nom du village, de la capitale et du roi. Eh monsieur, s'il vous plaît. Très bien. C'est beau. T'es beau. Donc voilà, j'espère qu'ensemble on va pouvoir réussir cette mission qui va être longue, périlleuse, en espérant ne pas faire couler du sang inutile. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, j'ai encore une chose à dire. Vive le roi. 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 Parfait, très bien. Et ben maintenant que tout le monde est au courant, nous allons pouvoir continuer dans cette lancée. Et peut-être un jour que ce petit avant-poste deviendra un grand château. Nous verrons ça. Il y aura de l'alcool. Ah, il y aura de l'alcool. Ah, oui. Et il y aura de femmes aussi. Ouais, parce que les femmes sont au nord. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de l'alcool. Le cul sec. Vive les femmes. Et vive les femmes. Ah merde. Et vive les femmes. Vive les femmes. Très bien, petite autre chose que j'avais à parler, quelque chose d'assez rudimentaire pour toutes les personnes qui ont un atelier au niveau de l'hôtel des ventes. C'est vrai que si vous faites partie du royaume, vous devez demander au brigadier Latour pour qu'il vous privatise votre petit hôtel des ventes. Et si vous voulez récupérer l'argent, vous devez aller le voir pour qu'il le déprivatise. Voilà, ce sera tout.